Salut Darky, comment ça va? Bah ça va, écoute, je me suis un peu dans le froc, mais ça va. J'appréhende beaucoup Resident Evil là. Ah ouais, rigole, rigole. On va attendre encore quelques minutes. Histoire qu'il y ait un peu de gens qui arrivent, si des gens arrivent. Bobinu, où es-tu? Ouais, j'avoue. Bon, on va leur laisser le temps d'arriver. Oh, je vais aller me faire un café. Je reviens. Quatre spectateurs, bon, on va peut-être y aller finalement. Alors, comment ça marche? Bonjour à tous. Désolé, je me faisais un petit kawa. Hop, on ferme ça. Et on est parti. Terminer ce jeu. Petite manette qui bug. Let's go, let's go. 14h01, ça va, il n'y a pas de retard. On avait dit 14h. J'en souviens plus trop où on en était. On en était. J'arrive plus à parler aussi. Ok. Pourquoi j'ai pas le son dans mon casque? Tu fonces dans le tas et tu cries Waza.
Ouais, on va peut-être éviter. Je suis où là? Ah, je suis là. Par contre, j'ai pas le son dans mon casque. C'est un peu chelou cette histoire. Ça me saoule. Bon, attendez 2 secondes. Putain, si je me tape des problèmes techniques à chaque fois, ça va pas le faire. Je pense que Darky, tu parles de Resident Evil. Pour l'instant, on va terminer Little Nightmares. Espérant que j'ai le son. Ah, c'est mieux. Il y a le son, il y a tout sur le live là. Zephyria. Let's go. Ok. Ah oui, on montait tout en haut. Putain, c'est fort. Let's go. Oui. J'espère qu'en buvant mon café, je vais pas tremper mon micro, sinon ça va être la cata. Salut Eda! Ça va, l'attente était pas trop longue, Eda? Le micro remplacera le croissant. Ouais, je suis pas sûr que ce soit très comestible quand même. Je suis où? Putain, je suis là. Alors, let's go. Oula. Coup petit gars. Comment tu vas, Eda? C'est la seule question que je t'ai posée. Je parle à l'autre débile, là. De base. Tes nièces, elles t'ont pas trop empêché de dormir? Allez, venez les petits potes. Bah ça va. Bon bah, si ça va, ça va. Par contre, on voit là. Donc c'est pas ça qui m'empêchait de dormir. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ils sont trop mignons quand même. Hein. Je les aime beaucoup ces petits personnages. Ah merde! Oh, ça t'évitera de dire des conneries, tiens. Sur qui est-ce que t'as crié pour être passé à faune? Allez là, c'est bon ce cas de là. On va y passer la soirée non plus. Oula! Pourquoi ça stutter comme ça là? On t'avait dit de pas trop sucer, Eda. Enfin. Il y a qui dans l'ascenseur? Oh! Ok. Je me souvenais pas de ça. Ben, mes nièces et mes parents. Et oui, gros mal de gorge. Okay. T'as sucé tes nièces et tes parents? C'est chelou, hein? Il n'est pas d'humeur. C'est bon, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Mais tu sais, moi, dès que quelqu'un me dit qu'il est à faune, ça part en sucette.
Avec toi, ça va surtout finir en bécherel, mon gars, parce que des fois, c'est compliqué, hein, de comprendre ce que tu racontes. On est dans les quartiers de la matriarche, là, non? Et quelqu'un? Oui, dans sa maison, oui. Ah, oh, c'est les poupées du 2 qu'on fracasse à coups de marteau avec Mono. Il y a peut-être d'autres easter eggs. Des fois que. Genre là, là. Vous pensez que c'est elle jeune ou c'est que c'est genre sa fille? Et donc 6, maybe. Bonjour madame. Sans vouloir vous déranger. J'aimerais prendre cette clé. Dis, qu'est-ce qu'il y a, Aida? Attends, je vous raconte pas dans. Genre, il y a mon linge qui est étendu sur ma terrasse là. Et il y a des serviettes qui volent au vent un peu. Enfin, qui bougent en fond. Enfin, voilà. Et genre, ça me fait flipper. Ah, comme je t'avais dit. Ok. J'ai eu du mal à comprendre ce que tu racontes toi aussi. Hé, reviens là, reviens là. Ah oui, il y a des trucs à faire avec ça. Ok. J'ai oublié un mot. Ouais, non, mais c'est moi qui. Je suis un peu fracasse, je t'avoue, en fin de semaine. Pas toujours évitant. Ok, on éteint la lumière. Là, il y a une échelle à bouger. Ah. Attendez 2 petites secondes. J'aimerais prévenir quelqu'un. Bon, on a failli se faire écraser la tronche. Donc on va peut-être pas la prendre tout de suite celle-ci. Je crois qu'il faut un autre objet carré. On était obligé de te prendre la pendule, sérieux. Putain, il y a beaucoup d'endroits ici là. Je suis un peu perdu. Pas ranger les livres, il y avait pas un truc comme ça. Ah mais du coup, faut prendre le bon. Ça c'est pas possible. Plutôt celui-là. Nope. Ah, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Bah non. Allez, fais le ménage. Putain, mais grave. Lève-la.
Ça passe si je saute? Ah non, il y a des livres là. Je peux peut-être descendre par là. Bon, j'ai raté quelques étapes, mais c'est pas grave. Ouais, mais encore. Ah, il y a peut-être un truc à mettre là. Ok. Mais allez, tu passes. Oh là là. Ils ont un bon cardio quand même, ces gamins. Non. Je suis pas d'accord. Pourquoi ça vibre comme ça d'un coup? Tu te calmes. Bah non, tu vois bien qu'elle rentre pas, c'est pas parce que je marche dessus que je veux la mettre là. On peut réfléchir un petit peu. Voilà, et d'une. Il y a mes serviettes qui bougent, putain. Alors, next. J'ai l'impression d'en avoir raté une quelque part là. C'est la dame qui... Arrête tes conneries, Eda, putain! Ah. Qu'est-ce que je comprends pas? Y a pas un miroir quelque part du coup? Je sais pas, c'est chelou, genre, pourquoi j'arrive pas à faire ce que je veux là? La poignée sur le mur. Bah, je suis déjà allé dessus, je crois, donc je peux plus rien faire. Et de plus haut, peut-être.
continuer à le tourner. Ah, ça c'est pour définir l'axe en fait. Ok. Peut-être que je peux faire ça maintenant. Ah, il y en a un autre là-haut. Non. Ah, c'est ici les portraits. Et tu m'as dit qu'il y avait la maîtresse d'école. Ah, il y a le... Il y a le mec au long bras. Est-ce que ça au milieu là ce serait pas 6? Peut-être. Ouais, laisse-moi enjoy là. Putain. Ok, ouais, il y a tous les bad guys en fait. Ouais, c'est la famille. Tiens, là, voilà la prof. C'est la Mifa quoi. Elle est horrible cette prof. Ok. Je me souviens plus trop de ce qu'il y avait à faire ici. C'est pas un truc avec ça là? Bah en prépa, Tarsier Studio ont décidé d'arrêter le jeu. Hein. Enfin, la saga en tout cas. Ouais, mais ils ont le droit de faire autre chose aussi. Hein. Ouais, je suis un peu perdu là. Bah si, Eda, ils ont le droit de faire autre chose. C'était quoi déjà? Peut-être un truc avec lui. Je dois peut-être avoir un mécanisme avec la lumière des tableaux. Oui, bah oui, mais je peux pas tous les activer, donc faut que je sache lesquels. Typiquement. Aucune idée. Est-ce que ce serait pas un truc genre faut les activer dans l'ordre de montée, je sais pas quoi. Je ne comprends pas. Genre lui. Merde, je me suis trompé, putain. Il y a lui.
lui. Attends, le prochain, c'est lequel? Mais arrête tes conneries, toi. Le gros avec son gros pif et son petit chapeau. Le gamin chelou. Celui-là, là. Indice peut-être où tu souhaites chercher un peu. Je veux bien un indice parce que. Et le gros où? Parce que j'ai pas envie d'y passer 3 heures. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. C'est là. Oula, il fait froid ici. Attendez, je prends une petite gorgée de café. Ah putain. C'est pas drôle, Darky. Je me demande quand même, c'est les statues de qui, quoi, parce que. J'ai l'impression que je peux me faire. Je l'ai vu, vous l'avez vu? Si vous l'avez vu. Ah ouais, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. Va Allez bien vous faire. Hein? Tu les as pas vus, Eda? Oh là là, tu regardes pas le stream ou quoi? Le mec se fait engueuler en plus. Je suis sur le téléphone, je vois rien. Triangle. Et là, tu les as vus? Ah! Les enfants noirs. Ouais, je sais qu'il faut viser avec la lampe torche. Attention, je suis pas raciste. On sait que t'es pas raciste, t'inquiète pas.
Putain, ils me font flipper. Alors, pas autant que les mannequins. Heureusement qu'elle brille dans le noir. Ah, grave! Rien par là. Une bouteille. Alcoolique. Attrape cette chaise, putain. Je me suis retenu de la faire celle-là. Wow! Mais dépêche-toi! T'as cru qu'on avait que ça à foutre? C'est gosse de Scream. Qu'est-ce qu'il dit lui? Est-ce qu'il faudrait pas que je trace plutôt qu'essayer de tous les buter? Ah, il y a des escaliers. Cool. Non, je les ai pas vus Scream. C'est les enfants poupées moches de la dame. Ouais. Putain! Eh oh, Darky, je te permets pas. Il y en a là normalement. Toi non plus, Eda, je te permets pas. Bande de bâtards. Ah, pourquoi ils sont encore là, putain?
Oh putain. Ah, je me souviens d'ici. Tout juste, exactement. Je sens que je vais me faire courser. Bonjour. Au revoir. Bah alors on est moche. Yes. Bon bah courir. La voix. Ouais, nique sa mère, je cours. Putain, elle me fait flipper. Putain. Ah! Chopped. Chopped, chopped. Putain. Ouais. Transformé en homme. Ça va sortir vite. Ah bonjour messieurs. Je me souviens d'ici Darky ou pas? Parce que je sais que Eda connaît par cœur.
Putain, les mecs ils se dorment dessus quoi. Pire moment ever. Ouais, franchement, quand tu connais. Non, c'est la fin de. Je sais pas si t'avais regardé. C'est à la fin du jeu avec 6, donc la petite fille avec l'anorak jaune là. C'est un peu avant la fin quoi. Putain, ça me... C'est bouleversant comme jeu, quoi. Moi, je crois que du coup, on le voit même pas se refaire bouffer. Je reviens au téléphone, faut que je réponde. C'est horrible comme fin. En tout cas, je suis content d'avoir refait le jeu. Oh, et du coup ils teasent le 2 dans la foulée quoi, c'est des malades. Mais les mecs c'est des génies quoi. Ouais, voilà. Ok, bah j'ai kiffé. J'ai kiffé. J'ai kiffé. C'est vraiment des jeux de ouf. Est-ce qu'on a débloqué des illustrations un petit peu? Ouais. Ça c'est Mathias, c'est Shig. Vous l'avez déjà vu passer sur le live. Oh! C'est le voyage de Chihiro, non? Ouais, à la fin du tout, il montre juste que c'est une préquelle, quoi. Il montre juste. Tu peux pas teaser un truc qui est déjà sorti. Putain, mais est-ce que si elle a pas un lien de parenté avec cette geisha là? Parce que j'ai l'impression qu'elle a déjà. Genre qu'elle connaît le lieu, mais que. Qu'elle y a travaillé en voyant ça. Genre elle a nettoyé des gens de sa famille. Et bref. Et que du coup elle revient pour se venger. Et qu'en fait elle connaît tous les endroits où on est allé. Faudra que je regarde la vidéo que tu m'avais envoyée l'autre jour. Je voulais terminer Very Little Nightmare avant. Donc voilà. Bon, je vais faire une petite pause de 5 minutes. Parce que faut que je me mette dans le mood là. Avant d'attaquer Resident Evil. Je vous dis à dans 5 minutes, les mecs. Je vais mettre ça. Hop. Les comptes à rebours ne fonctionnent plus, c'est cool. Allez, à tout de suite. Au pire, t'as pas moyen de montrer en stream pour les gens. Very Little Nightmare sur téléphone, j'ai pas forcément la connexion, je pense. Et puis en vrai, c'est de l'énigme, c'est pas forcément hyper intéressant comme truc. Ouais, j'ai corrigé le magnifique. Allez, je reviens, les mecs. Dans 5 minutes.
Bon, est-ce qu'on s'y remettrait pas? Tranquillou, bilou. Alors, il faut juste que je change ça. Resident Io 7. Français, action, horreur, jeu d'aventure. Jeu d'aventure, ouais, FPS, jeu de tir. Ok, ça me va. Ok. Hop. Alors, par contre. Ok, il y a plein de trucs qui refonctionnent plus là. C'est chelou. D'être toujours là, les mecs? Redarking. Bon, allez, on va lancer le jeu tranquillou. Resident Evil. Je suis en PLS. Go foncer dans le tas. Mais tu y as joué au 7, toi? Genre, je suis pas sûr que tu vois vraiment le jeu que c'est. Hein. Voilà. J'aime bien quand le stream il se met pas bien du premier coup, c'est trop cool. J'adore, j'adore, j'adore. Reda! Oh, il a un bon timing le Reda. Hein. Attendez. Toujours, voyons. Ah, la blague. Alors, options. On va essayer de revoir un peu. Je les ai fait normalement tout à l'heure, mais. Y a quoi dans extra? Ok. Nouvelle partie. On va se mettre en normal. Hein. Option bruitage 100%. Bah, je préfère les entendre arriver en fait. Allez, c'est parti. Salut chérie. Salut. Je voulais juste te faire un petit coucou Alors et déjà, elle est dire que je clippy. t'aime. Oh, bonne nouvelle. Je vais bientôt rentrer à la maison. Oui. J'ai hâte de rentrer, de finir ce travail de babysitting et de retrouver mon mari adoré. C'est mignon. Oh, faut que je retourne travailler. Je t'aime, Ethan. Tu me manques tellement. Je t'embrasse très très fort. À très vite. Ton doublage, il pue du cul, meuf. Ethan?
Tu avais raison. Je t'ai menti. Je n'aurais pas dû, mais... Tout ce que je peux dire, c'est que... Si tu as ceci... Reste à l'écart. Bon bah ok, hein. Je vais faire option, quitter le jeu et puis on va jouer à autre chose. Non, je suis vraiment pas bien, je suis... je suis en train de trembler, les mecs. Il y a... Ouais, bon, c'est pas grave, je ferai ça, putain. Allô. Salut, c'est... Fin du jeu. Hey, ça va? T'es parti comme un voleur l'autre soir. Ouais. Ouais, je sais, ça va. Ça va. C'est Mia. Elle est pas morte, elle est vivante, elle est de retour. On l'a retrouvée? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, écoute. Je sais pas comment. Mais elle est revenue d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être des conneries, mais... Elle veut que je vienne la chercher. Non, c'est pas ça qu'elle a dit. Delvie. Delvie en Louisiane. Mec, ça fait 3 ans... Je sais, mais si c'était bien elle... Je vais en avoir le cœur net. Menteur miteuse, quoi. Ah! Faut conduire. J'ai cru qu'il allait rentrer dans l'arbre en fait. Bah c'est pas tant l'espérance, enfin si ça va avec du coup, mais genre le comment on appelle ça? C'est ici. Ah, l'instinct de survie est pas ouf quoi. Alors attendez parce que j'ai un petit souci. Toc 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 toc. Pourquoi il me galère avec le fenêtré? Je peux plus faire de alt. Ah c'est ok. Super. Je voulais faire un truc, je sais plus trop ce que c'était. Non, bah rien en fait. Je sais plus. Ah si. Let's go. Ça va, elle est rassurante la forêt. Bah elle est un peu grisâtre. Je vais vouloir faire un truc aussi. Est-ce qu'on va pas pouvoir mettre ça des fois? Allez, let's go. Ça a l'air de bien puer aussi. Ouais, ok, super. En même temps, la route est... T'as rien vu du tout. Bah, mais tu je le connais le jeu, Eda. Mais c'est un délire. Putain. Ok, la manette ne fonctionne plus. Tant pis. Bah, qu'est-ce que tu me racontes? Waouh, qu'est-ce qui se passe? Ok, bon. Désolé, je balbutie un peu. Allô? Waouh. Il a bégayé le jeu, hein. Ont un peu vieilli. Rejoins-nous. Sewer Gathers. Proposition de projet. S'introduire dans une maison fantôme en Louisiane. Quelle idée! Putain. Bande de cul.
accepte son don. Cool. Au ralenti, il pourrait chanter avec une feuille en mouvement. Ah, ça pue. Bonjour. Donc je ne suis pas la seule personne à se balader dans ces marais. Bah ouais, j'aimerais bien le rattraper, mais je crois qu'il a déjà dit, il est déjà parti en fait. Monsieur, monsieur. What the fuck. C'était bon. Par contre, vous m'entendrez pas crier. Je suis pas vraiment le type de personne à gueuler quand il a peur. Mais touche pas! Touche pas! Genre, c'est dégueulasse en fait! Complètement débile! Instinct de survie 0 sur 20. Il y a du bruit dans la maison. Une balançoire. On peut pas juste se mettre là et faire une sieste. Et si j'ai pas envie de rentrer? Bon. Allez, on rentre en sprintant. Super. Salut Noé. Noé Ronze. Je peux juste t'appeler Noé, ça te va? Si je t'appelle juste Noé. Comment ça va, Noé? Oh! Qu'est-ce qui se passe? Par contre, on va fermer la porte. Parce que... Voilà. En plus, on gagne un petit succès. J'aimerais bien que... la maison arrête de craquer sous chacun de mes pas, en fait. Je m'en doutais. Comment j'éteins ma lampe? J'aime bien parce qu'on se met comme ça, mais on a quand même une lampe. C'est rigolo. Oh, qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi les reflets de lumière ils font la fête? Voilà, on ferme les robinets. C'est pas bien de gâcher la flotte. Miam miam. Oh merde, merde. Oh putain. Oh le bordel. Plus de 20 personnes disparues en 2 ans. Ça c'est cool aussi. Je suis sûr il y a un truc bien creepy encore dans le micro. Yes, un corbeau. Pour information, les corbeaux sont une espèce protégée. Merci de ne pas leur faire de mal. Le frigo qui colle, ça c'est bon aussi. Oh là là, mais what the fuck. Ferme-le, s'il te plaît. Parce que c'est... Discrétion 20 sur 20. Grave, le mec il shoot dans les poubelles et tout. Enfin, dans les chaises. Tout va bien. En tout cas, belle baraque. Hein.
Ah. Oui, je suis au tout début du jeu, je viens de le commencer, je l'ai jamais fait. Pure découverte. Ok, tout va bien. Est-ce qu'on se ferait pas un petit peu de piano? Putain de tarasse. Pardon. Une téloche. Ok. Une photo. Une photo pas bizarre du tout. Et une photo encore plus chelou. Très très bien. Bon, regardons cette vidéo. Derelict House, 1er juin. Delvey Haunted House, we are sure. Ouais, arrête tes conneries. Où toi. T'as trouvé ce type? Lâche-moi un peu, puis. Hey, je bosse qu'avec des professionnels. D'ailleurs, arrange-toi pour que le son soit correct cette fois-ci. Je veux pas un remake d'Amarillo. Mec, c'était il y a 2 ans. Je me tape pas le doublage. Le nouveau là, je le sens pas. Ouais, bah je t'entends, donc avance. Alors sois pas étonné si on doit le virer. Nouveau plan. D'abord, on fait un tour à l'intérieur. Et ensuite, on tourne l'intro. Comme d'habitude, quoi. Et n'oublie pas de dire le nom d'émission, c'est quoi. Putain, elle force la balançoire. Ce bordel. Un autre troupeau mais sans intérêt. Ça te va? Ah, ça intéresse les gens, hein, Resident Evil. Hein. Ça intéresse les gens, que les gens ont peur. Est-ce qu'on tourne? Okay, on y va. Commence à y avoir un peu plus de monde sur le live là, c'est cool, bonjour tout le monde. Laisse-moi faire. Mets un chassé dedans, oh là là. On est plus à ça près. Okay. Hein. Salut Pétabas. Après toi. 57. Alors. Le mec il me dit après toi, il passe avant moi. Tu te prépares. Préparer quoi? Une baraque pourrie, des bruits étranges? Oh, elle est hantée? Quelle merde! J'étais présentateur, moi! Remplaçant le week-end, Pete. Seulement remplaçant. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Que t'étais remplaçant. C'est quoi l'histoire, André? Une ferme abandonnée, une famille disparue dans des circonstances suspectes. La routine. Tu dis que ça fait combien de temps que la maison est abandonnée? 3 ans. Ah ouais, filme ça pue du yonf. Ça peut faire un bon plan de coupe. Donc, une famille de pecnos disparaît et... Pas des pecnos, les Baker. Jack et Marguerite Baker. Une famille normale, plutôt paisible. Il y a pas mal de rumeurs sur leur fils, Lucas. Lui a mal tourné, apparemment. Pas de corbeau. Merde. Par contre, lui, il colle. Hein. Même état du frigo depuis... je sais. Il y a combien de temps entre maintenant et... J'ai fait mes vaccins. Et maintenant, du coup. Bon. Pour nous faire un super décor. André, qu'est-ce que t'en dis? André? Des fantômes aperçus dans le bail. Ouais, il est où ce con? André? André? Clancy, tu sais où est passé André? A ton avis, genre est-ce que j'ai l'air de savoir? Il est où? Putain, j'y crois pas. J'aurais bien une réponse à te donner. C'est la dernière donner, fois que mais... je bosse avec ce mec. Tu sais, les producteurs, ça va, ça vient, mais... Un bon caméraman comme toi, Clancy... Passe près de moi.
C'était quoi ce truc? T'as entendu? Des problèmes. On peut pas rentrer. On peut rentrer là. André? Pourquoi je pouvais pas rentrer moi? Il est où, putain? Putain, le mec il a un pass ADN quoi. André, t'es passé où? C'est quoi ce bordel? C'est pas possible, je rêve. Ok, changement de programme. On trouve André et on se tire. Tant pis pour l'émission. Vas-y, prête-toi. Après-toi, mon gars. Devant. Ouais, ouais. Je veux un plan de moi en train de descendre l'échelle. Tout à fait. Passe devant. Tocard. Tu vois quelque chose? Y'a quoi en bas? Un monsieur. Sûrement André. En train de sucer un tuyau. Allez, c'est parti, mon kiki. Oula, 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 oula. Enchanté de faire votre connaissance. Je me sens pas bien. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Et Dark Kiki rigole, toujours. Bon. Eh ben, je suppose que... Oh! Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais au moment où c'est où elle est, quoi. Va m'arriver des bricoles. Voilà. Personne n'a rien entendu. Mais si. La bonne nouvelle, c'est que là, on va se plonger dans l'eau. Genre, ça doit sortir tellement... Ça doit tellement puer, en fait, là-dedans. Ça va aller, les bulles, là ? Je veux même pas savoir. Je regarde vers le haut. Putain! C'est André. Barre-toi de là, André. Là. Putain,
de... What the fuck? Pourquoi ça sauvegarde? Je suis pas d'accord. Mia? Ok, des gens qui se sont transformés et d'autres qui sont morts. Très bien. Coup de boulon. Ok. Est-ce que je vais déjà voir la base qu'il y a ? De la viande. Bah ouais, c'est la sauvegarde automatique clairement qui me fait baliser là. Allez, allons voir. J'ai cru qu'ils allaient mettre une QTE et tout. Ça suffit. Eh, vieille peau. Mia, Dieu merci, tu es vivante. C'est moi, c'est Ethan. Ethan ? Ethan ? Est-ce que ça va ? Tu ne devrais pas être là. Comment ça ? C'est toi qui m'as appelé. Non, non, je te le jure. Je l'ai fait. En fait, Eda, il est en train de vivre Resident Evil à la maison. Quelqu'un t'a vu ? Est-ce qu'il t'a vu ? Il ? Qui d'autre est ici ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Papa va venir. Il faut qu'on parte. Papa va venir ? Il faut partir maintenant ! Ce qu'il raconte, elle. Ça a pas la tête, hein. Tu veux pas accélérer, du coup ? Si on est pressé ? Où est-ce que tu m'emmènes ? Où est-ce que tu m'emmènes ? Est-ce que tu vas me dire ce qui se passe ? C'est quoi ce doublage de merde ? Chérie, t'as disparu depuis 3 ans. 3 ans ? Ça fait déjà 3 ans. Ne me regarde pas dans les yeux, s'il te plaît. D'abord sortir. Me regarde pas. Je crois que c'est par là. Moi je veux pas papa, je sais qui c'est. Mais vas-y, respire, wesh. Ok. T'es chelou. Mia, il faut qu'on parle. Ce message que t'as envoyé. Pas moi. C'était pas moi. Mais tu l'as fait. C'était pas moi. Ok, d'accord. Mais dis-moi ce qui se passe. Je te promets que je te dis tout ce que je sais. Ah, mais c'est ça qui grince. On doit passer par là. T'es sûr qu'on doit passer par là ? Tu es sûr de savoir où tu vas ? La famille m'apportait de la nourriture par ici. Je m'en souviens. Ah bah je préfère la laisser parler au mur. J'aime pas quand elle me regarde. Elle est un peu trop creepy à mon goût. Là, c'est là. Vas-y, prête-toi. C'est ici. Me regarde pas. Il y a une autre porte ici. J'en suis sûre. Non ! Elle est plus là ! Elle est plus là ! Elle a disparu ! On va être une famille. Maintenant, hein ? Tu es ici. Il y a une autre porte ici, j'en suis sûre. Putain, j'ai ma manette qui bug, c'est horrible. Attendez 2 secondes. J'ai ma manette qui bug et du coup le perso bouge tout seul.
C'est assez déconcertant. Bah, c'est ça quand on me follow pas, hein, l'état. Comment tu vas? E001. Ah, bonjour, madame. Bon, qu'est-ce que tu fais, toi? Mia. On doit sortir d'ici. Reste ici, d'accord? Je vais jeter un œil. Je suis en tachycardie. Voilà, ça y est, ça commence. Je vais jeter un œil. Fais gaffe, hein, si tu le jettes un peu trop loin, ils vont finir par le manger. Ouais, ok. Si, si, si. Putain de... Non, 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 je nie tout. J'aime bien comment l'état, elle a complètement occulté le fait qu'elle ne me follow pas. Mia. À chaque fois qu'il dit Mia, j'ai envie de dire Fry derrière, Mia Fry. Non, 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 les portes, ça s'ouvre pas tout seul. Ils sont poétiques. Très bien, fonctionne pas. Qu'est-ce que t'avais pas vu, l'état? Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce que tu dis? Plan de l'annexe. Ok. Waouh, stylé. Oui, je suis avec un casque et je suis en train de flipper parce que, genre, là, j'ai la pluie dans l'oreille. Je l'ai fait, là, wesh. Bah, ouais, c'est bon, j'ai pas eu de notif. Parce qu'en plus, il y a Twitch Studio qui galère un peu aujourd'hui. Du coup, il y a plein de trucs qui fonctionnent pas. Remède. Ah, c'est pas mal, ça. Encore un remède. Pourquoi je sens que j'en avoir besoin? Putain, le jeu qui sauvegarde et qui te donne des remèdes. Y a personne, laissez-moi tranquille. Non, non, allez. Putain, arrêtez de taper dans les murs. C'est bon, je rigole, oh là là. Ma pauvre Léta, harcelée. Allez, le petit éclair qui craque. J'ai envie de lancer toutes les insultes que je veux, que j'ai envie là. Genre j'en ai tellement en stock. Ton chat lag, c'est ça? Ou alors il y a un décalage. Il y a un petit décalage à l'état. Je suis pas fou là instantané malheureusement. Non. Putain. Oh, le petit bruit, ouais, Darky. Allez, on se lance. Putain, je... Ouais, sur les jeux d'horreur, je suis pas hyper habitué, en fait. C'est pas des jeux que j'affectionne particulièrement. Là, elle va me sauter dessus. Nique ta race. Pardon. T'es moche, t'es moche. Ah bon? Ah putain. Yes, la main. Yeah. Attends,
Ah putain, faut pas lui tourner le dos. Non mais... Oh là 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 là, il va faire du bien le bain après là. L'autre, elle se tape la tête dans le mur. Je mérite ceci. Ouais, vas-y, explose-toi bien la tête, là, putain. Qu'est-ce que t'es devenu, Mia ? Un monstre. Utiliser un remède. Oh, ça désaltère. Ça pique un peu, mais ça va. Ok. J'ai cru qu'elle s'était barrée, j'ai eu trop peur. Oh. Putain de ta mère. Je vais être très très grossier, je vous préviens. Allez. Ouais, bah j'aimerais bien. Une hache. Ah, c'était pas ça. Non, j'ai pas fait la démo du prochain parce que celui-là je l'ai jamais fait. Enfin, j'ai vu des let's play il y a très très longtemps au moment de la sortie, mais c'est vrai que j'ai rien vu d'autre. Oh là là. Bon. Pourquoi il y a un téléphone qui sonne? Genre, c'est vraiment le moment en fait. Elle est où ma hache? Mais ramasse la hache! Il est fou lui! Ramasse ta hache! Putain, c'est l'agent Smith. Allô? Tu n'aurais pas dû venir ici. Ah bah merci, je suis au courant maintenant. Et qu'est-ce qui se passe ici? Je m'appelle Zoé. Tu dois pouvoir sortir par le grenier. Le grenier? Vas-y. Le greu-greu. Maintenant. Bah monsieur Smith dans les Matrix. C'est l'anti-néo. Ah, le grenier. La porte qui s'ouvre toute seule, c'est nickel. Ah, une hache. Je vais récupérer ma hache. L'hôtel s'est barré, on s'en balèque. Je récupère ma hache. Ouais, mais Data anime bien le chat, du coup c'est cool. Ah putain, c'est ici. Nous sommes ici. Ok. Du coup, le greu-greu. Pardon. T'as déjà vu mon débile hein. Elle m'a dit le grenier. On va peut-être save, non? Vas-y, animez mon chat, pas de soucis. Ah ouais, ça ne fonctionne pas. Ah, j'ai encore mon coupe-boulon. Putain, ça c'est le feu. Infusible. Oh, oh, c'est dommage, il n'y a pas l'entaille dans la porte. Une photo chelou. J'avais pas autant de décalage sur mon stream de Little Nightmares. Dire qu'à la base j'étais censé trier des photos. Si si, il y avait toujours un peu de décalage. Même hein, au départ sur les premiers streams, il y avait presque 5 secondes. Après c'est normal qu'il y ait du décalage hein.
putain de ta... Je regardais le chat. On viendra à raid celui de ton... De ton monsieur. Je l'ai mis en host automatique tout à l'heure du coup. Bah ouais, je me doute... Putain. Cloué au mur. Enlève ta main. Enlève ta main vite là. What the fuck? Non. Bon d'accord, mais je regarde pas. Holy shit. Bon bah merci pour ma main. J'apprécie beaucoup. Vas-y Darky, clip clip. Bon du coup avant ces événements à l'état, je disais que je l'ai ouais ok t'as suivi. S'il veut je peux même l'inviter sur mon Discord pour qu'il poste ses départs de live. Bon, sinon il manque une main. Ah mais maintenant on peut même plus ouvrir les portes. Non non, c'est toute la main qui me manque, Darky. Des munitions. Oh, un gun. Oh. Pourquoi la porte s'est fermée? C'est pas moi qui l'ai fermée. Bon, d'accord. Viser et tirer. Okay. Bonjour. Voilà, on soigne ça, peut-être que la main va repousser, on sait pas. Bah attends, entre fans de cash, faut serrer les coudes. Hein. Je te redonnerai le lien du Discord sur bah, Facebook du coup. Bon! Je suis prêt là, vas-y. Let's fight. Encore des munes. Putain. Mais lâche la... Putain mais tu sautes en fait. Tu peux te manier de... Oh, par contre le mec... Wow. Recharge. Elle traverse. Oh là 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 là. Si je lui tirais dans la tête, et si je visais en fait. Ah, je peux pas repartir par là. Je suis dans la merde en fait là. Mets lui un kick dans la tête, putain. Oh putain, attendez, je rattrape le chat parce que vous avez beaucoup parlé. Comment vous clipez? Ah. Alt X, pardon, social, j'ai envie de me mute sur ton chat, j'ai l'impression de spam. T'inquiète pas de spam, c'est pas bien grave.
Bah, opération chirurgicale à la tronçonneuse, donc c'est pas fou non plus. Bon, il me manque toujours un moignon, enfin une main. Pétabas, ça fait plaisir que tu sois encore là. Je vais garder mon heal pour plus tard, du coup. Bon, d'accord. On va essayer d'être un peu strat. Allez, ouvre. J'aimerais bien que les portes restent ouvertes, s'il vous plaît, en fait. Sinon, je peux pas courir. Allez. Putain, mais... La porte, elle est où la porte? Putain. J'ai perdu la porte! Lâchez! Ouais, enfin dit comme ça, j'aime pas trop, tu vois. Ça marche pas quand on se concentre un peu. Bon, du coup, on peut pas ramasser la tronçonneuse, hein? Ça aurait pu être sympa. Je sais pas si ça vaut le coup de ce heal. Si, si, elle va revenir. Obligé, elle revient. Je peux pas me heal. Je peux pas me heal. Putain de... Avec un petit succès à notre belle famille, c'est y part. T'as du pain sur la planche. Et t'as qui fait le malin. J'aimerais bien t'y voir, tiens. T'inquiète, ça va aller, l'état. Je vais m'en sortir. Allez, debout, jeune paresseux. C'est l'heure du dîner. Qui êtes-vous? Où est Mia? Me parle pas, toi, t'es moche. Ah, bonjour, madame 001. Hein? T'es sérieux, là? Oh, il shit. Ça devient lourd, que. Pose-toi de la main, Kurt. Ce garçon doit manger. Il doit prendre son dîner. Hein? Allez, mon grand. Allez. Non, non, c'est dégueulasse. Pas Jack, il mange pas. Ferme-la, Marguerite. Fous-moi le camp. T'es qu'un petit enfoiré. Oh, j'arrive pas à croire que c'était cet enfoiré. Il mange pas. Il mange pas. C'était censé être un festin très spécial. Elle est complètement cinglée, celle-ci. What the fuck? Il y a 9 spectateurs, putain, bonjour tout le monde, quoi. C'est encore ce flic. Poulet. Ah
Allez, t'as, tu me tues. Madame, vous avez des tips là pour moi ou... Il y a quand même un gros décalage, hein. Je suis pas fan. Le jeu est aussi beaucoup plus gourmand, je pense, que Little Nightmare. Je vais peut-être faire un petit truc vite fait. Ok, petit lag, désolé, c'est passager. Voilà, ça revient petit à petit. Voilà. Trois explorateurs urbains disparus. Les autorités des Talents s'en appellent à témoins afin de retrouver la trace de trois hommes venant de la Nouvelle-Orléans. Disparus après s'être rendus à la paroisse de Dolvy le 9 de ce mois. Les trois hommes, Peter Walken, André Stickland et Clancy Javis, sont connus sur Internet pour leurs vidéos tournées dans des bâtiments abandonnés et des maisons prétendument hantées. Ouais, on les a retrouvés tout à l'heure dans la mare au poulet, tempérée et chaude. Putain, ça lag de fou là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des chargements en arrière-plan, c'est obligé. What the fuck? Ah, ça me gonfle. Qu'est-ce qui se passe, putain? Ça tournait mieux en 1.2 quoi. C'est quoi ce bordel? La caisse a l'air fragile, on peut peut-être la casser avec quoi? Quelque chose. Garage. Bon, je suis désolé pour ces lags dégueulasses là. Je suis en train de me rendre fou. Tiens, je saigne du doigt. Au moins, j'ai retrouvé mon doigt. Non, mais c'est fou ça, ça me... Je suis très très concentré, c'est pour ça que je ne dis plus rien. Je l'entends, il est derrière le mur. Un livre, Secret de l'abîme. Il fait les 100 pas ou comment ça se passe? Tiens, la grand-mère a disparu. Non, non, non. C'est faux. Cours-toi. Tu veux pas courir plus vite en fait? T'inquiète pas, je suis toujours là. Non. Putain. Me rouler une pelle. Il veut surtout me la rouler dans la tronche, ouais.
Mais attends, faut... Ah, faut que j'aille en bas. T'inquiète, le jeu est intense et constant, on comprend. Lol, mais reviens, il veut juste rouler une pelle. J'aurais adoré qu'elle sauve les nerfs de mon doigt quand je suis. Ils sont deux là à me courser ou comment ça se passe? Pas la peine de te cacher. Putain de ta... Tu perds ton temps. Merde. Aïe. Où est-ce que tu crois aller comme ça? Chez ta mère. Ferme ton frigo, putain, ça pue là-dedans. Ah! Je suis censé ramasser un truc là, je crois, quelque part. Découvert. Ce bâtard. Ah! Oh merde! Comment je vais réparer ça? Clé de la trappe. Mais allez! Trompé d'adresse, gamin! C'est chier. Mais tu peux pas... Tu peux clipper en différé, non? Pas me barrer là. Bon, j'ai récupéré ma jambe. Le coin des mécas, salut. Ah, du coup, c'est intelligent de mettre ça sur le chat, hein. T'arrives. Alors. Mais attends, elle était où? Ah oui, elle était... Elle était là-bas, la clé, du coup. Comment ça va, le coin des mechas? Nick! Putain, à chaque fois, il me tue. Ah, attendez, 2 minutes, on me téléphone.
Putain, vous êtes pas cool, hein. Alors, le téléphone, déjà, est sur vibreur pour te répondre, l'état. Donc, ça va, tout va bien. Et non, j'étais vraiment au téléphone d'Arki. Quand madame téléphone, on répond. Peu importe où on est. Sinon, ça fait encore plus subi que RE7. Bon, il est où? Si je pouvais éviter de shooter dans les chaises, ce serait pas mal. Eh, hey, monsieur! Salut Pixan, t'arrives au bon moment. Oh putain, il m'a tué là. Je viens d'arriver sur Nemenox, je fais un peu le tour des streamers pour découvrir. Eh ben, bienvenue à toi. Zerki, tu ne connais pas les streamers, tu apprendras qu'ils ne portent jamais de pantalon, c'est la base. Ouais, je suis en short en plus. Bon allez, on continue. Allez, on va chercher cette putain de clé. Tu perds ton temps. Ouais, clé de la trappe, c'est mon apigé. Il cherche une clé, il prend l'appel. Il va falloir faire mieux que ça, gamin. Je t'emmerde. Bah, au diable. Allez! Ah, mais du coup, j'ai ma jambe. Ah, j'ai ma jambe. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, hein, au passage. Pièce antique. Oh, ça va nous servir, tiens. A bientôt, le coin des mechas. J'essaierai de passer chez toi aussi, du coup. Tiens, regarde. Hop. Action utilisateur. Bon. Je passerai chez toi. Promis. Je suis pas encore hyper à l'aise avec toutes les commandes. Mais tu peux grimper, s'il te plaît. Oh, la save. Ça sent bon, là, fonce. Plan de la résidence principale. Fais voir. Ouais, super. Elles sentent horriblement mauvais. Ciao, le coin des mechas. Amuse-toi bien. J'imagine que tu vas aller en live, donc bon live. Fluide chimique, herbe. Ok. C'est déverrou... Ah d'accord, bah merci. Waouh. Ah. Un tournevis. Rassurez-moi, les clips, ils sont... Ils sont stockés quelque part, je crois. Hein. Je crois que j'ai vu un onglet clip sur le... Non, le téléphone, genre j'ai pas le temps en fait. C'est où qui sonne? Attends. Allô? Bien joué, Ethan. Zoé, c'est ça? Bien joué, quoi. Toi et écoute bien si tu veux rester en vie. Tu
tu dois sortir de la maison. Il y a peut-être une issue via le hall principal. D'accord. Oh, le truc à ton poignet est un codex. Ne le perds pas, c'est important. Super. Comment tu sais que j'ai un truc à mon poignet en fait? Attendez, qui c'est qui m'a remis ma main? J'ai zappé ce passage là, j'ai essayé de rattraper le chat. Qui c'est qui m'a réagrafé ma main? Et qui c'est qui m'a mis cette montre? Ouais, je l'avais à table, mais avant. Il y a quelqu'un qui t'a agrafé la main en te disant tu peux pas mourir maintenant, tu as encore beaucoup de choses à faire. D'accord, donc ça doit être la Zoé, j'imagine, qui nous a laissé dans ce bordel en fait. Ok, super. Super, alors merci Zoé. Merci l'État pour le suivi, j'apprécie beaucoup. Tournevis, à quoi il pourrait bien me servir? Oh yes. Bah ouais, en plus il pleut et tout. Bon. On peut revisiter un petit coup. Du linge. Des enceintes. Putain, mais genre ils ont des enceintes ici quoi. Le ruban adhésif, il te carie et te dit I do not. Quoi? Y'a personne, allez-vous-en. Je vous emmerde. Ah, c'est le frère, enfin c'est le fils. Ok. Alors autant le père, il n'a pas beaucoup changé, mais alors la mère a pris cher. C'est qui chante? Vous pouvez arrêter de chanter s'il vous plaît. Ok. Casse-le. Casser quoi? Mais non, pas ça. Mais avec quoi tu veux que je le casse? Moi, je veux bien le casser, mais... Bah oui, mais je peux pas casser les trucs, là. Genre, j'ai pas d'arme, en fait. Désolé, t'as, mais j'ai pas d'arme en fait. Donc repose-toi bien. Ah! Hé, hey, par ici! Ouais, bah ouais, je suis un peu dans le mal en fait. Donc attends. Hey, vous devez m'aider. Du calme, reculez. Bon, vous vivez ici, monsieur? Comment ça, reculer? Genre, tu peux m'aider en fait? Maison? Non. Moi, non, non. D'accord. On a eu plusieurs appels à propos de personnes disparues récemment. Vous comprenez pas. Je dois sortir d'ici. Bon, calmez-vous. Vous m'écoutez pas. Il y a une bande de tarés dans cette maison qui essaie de me tuer. D'accord, que les choses soient claires. Vous ne semblez pas vraiment être en position de force, là. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu comprends pas? Blague. Écoutez, comme je vous ai dit, on a plusieurs cas de disparition. Ah bon? Et rien ne prouve qu'un étranger comme vous... n'est pas impliqué là-dedans. Très bien. Je vous dirai ce que vous voulez. Bien. Je préfère ça. Allez, retrouvez-moi dans le garage. On discutera là-bas. Hé, attendez. J'ai besoin de votre arme. Ah,
Vous devez être tombé sur la tête. Monsieur l'agent, shérif adjoint. Ok, shérif adjoint. Monsieur l'adjoint, vous voulez voir mon nom dans la rubrique nécrologique? Ou vous voulez être un héros et me sauver la vie? Calme-toi, l'état. Ça va aller. Un simple couteau de poche? Allez, prenez-le. C'est tout ce que vous aurez. Maintenant, au garage. C'est un ordre. Qu'est-ce que je vais faire d'un couteau? On va aller casser la figurine de madame. Et si j'ai pas envie, en fait? Genre, ça me fait chier de... Allez, salut! Ah là là, allez, si tu le prends comme ça. Hein. T'es précise là? Mais non, t'inquiète, je la connais. Ah, monsieur l'adjoint. Hé, hey, on doit vite se tirer d'ici. D'abord, vous allez me dire ce que vous faites là, tout seul, au milieu de la nuit. Moi? Et vous alors? Moi, c'est mon boulot. Votre boulot à vous, c'est de répondre. Mais surtout, je suis pas tout seul en fait. Vous allez jamais le croire si je vous dis. Je vous écoute. Hé, hey, remontez cette porte. Remontez cette porte. Yes! Poêlé hivernal. Saloperie! Je vais tous vous tuer à part! Est-ce que Eda, on peut pas genre autoriser des mots genre couillon, ça passe, tu vois? Faut pas que je tire dans la voiture d'ailleurs. C'est une hache, mon dieu. Ouais, non, mais il y a une différence entre couillon et fils de pute, tu vois. Bon, allez, où la clé? J'aime bien les portes qui frétillent. J'ai ramassé quoi? Ah, les clés. La gueule. Putain, mais la porte, elle fait n'importe quoi derrière. Son don parcourt chaque cellule de mon corps. Chaque cellule. Oh que non. C'est moi. Commencez à courir. Ah! Putain, le mec il fait des drifts dans son garage et tout. Ouh!
raser les fesses là. Ah! Bah ouais, mais... Aïe. Bah elle aime... l'état, elle aime bien quand ça frétille, du coup. Je comprends mieux. Oh non, on recommence tout, là. Bon, monsieur l'adjoint. Se tirer d'ici. D'abord, vous allez me dire ce que vous faites là, tout seul, au milieu de la nuit. Moi ? Et vous alors ? Moi, c'est mon boulot. Votre boulot à vous, c'est de répondre à mes questions. Vous allez jamais croire si je vous dis. Je vous écoute. Hé, remontez cette porte. C'est pas un secret, l'état. Tout le monde sait que t'aimes les choses qui frétillent. Quand ça frétille, plutôt. Allez ! Pourquoi tu le... C'est bon, il est mort, en fait. Il a la moitié de sa tête, le mec. Salope. Je vais tout vous tuer à part. À moi de faire des drifts. Il est où ? C'est toujours meilleur. Il est où ? Ah! Oh merde! Sacré bagnole, t'as... Finissons-en, toi et moi! Allez, je vais t'emmener faire un petit tour. Petite leçon de conduite. Holy shit! Attends, je l'ai esquivé même en vrai quoi. 10 spectateurs, là, c'est la première fois ça. Mon dieu, bonjour à tous. Les gens ils ont vu Resident Evil, ils se sont dit putain, c'est parti, on va voir ça. Bon! Monsieur, à la prochaine. Ah! Ah bon? Oh, la... Bah si, c'est Resident Evil 7 ça. La gueule. La gueule. C'est pas fini. Putain. Coucou Vamalia. Mais si, c'est bien Resident Evil 7 hein. Ah, l'échelle. Putain, mais sérieux, mais crève en fait. Tu vas voir quelque chose de magnifique. Putain ! Complètement cinglé, hein. Ah, le petit Shig, ma petite taupe. Ma petite taupe préférée. Attendez, il y a un tableau. Attends, attends. Trop exigeant. Pourquoi trop exigeant?
peux pas récupérer ça. Ok. Cool. Vers ce pauvre père. Bah non, je veux juste qu'il crève. Commence à me harceler là, je vais porter plainte. Bon, sinon, on est. Je crois qu'on porte des escarpins, non? Je dirais. Ouais, toujours en discrétion. Non, mais exigeant quoi, j'y crois pas. Je me fais violer à l'appel depuis tout à l'heure, genre littéralement. Et c'est moi qui suis exigeant. Ouais, et l'autre? Putain, j'ai vu l'ombre du ventilateur tourner, c'est n'importe quoi. J'avoue, on dirait une blague de Darky, une fois morte et enterrée, il la rebalance. De quoi? Si dit, lui. Ah, ok, putain. Ah là là, peine et panique. Bon. Déjà, j'aime pas cette porte. Ah, je peux peut-être combiner des trucs, non? Comment on fait déjà? Ah, comme ça. Je peux faire des balles, ok. Putain, le téléphone. Allô? Mon père t'a donné du fil à retordre? Comment ça, ton père? Il l'a été. Ça va pas la tête. Je suis désolé, mais... il est mort maintenant. Quoi? Arriver à quoi? Je veux que tu fasses quelque chose, mais je ne peux pas t'en parler maintenant. Il te faudra des sortes de clés pour ça, et tu dois sortir d'ici. Ok. Je te rappellerai. Franck? J'ai pas la ref. Franck. Frankenstein, ok. J'ai la ref. C'est bon, j'ai la ref. Alors... Plus de 20 disparus en 2 ans. Le capitaine Howell de la police d'État a annoncé à la presse le début des recherches pour tenter de retrouver Hélène Midkiff, une étudiante originaire de Caroline du Nord en voyage en Louisiane. La jeune femme a été aperçue pour la dernière fois dans la nuit du 21. Ouais, les cas de disparition en Louisiane du Sud ont augmenté de manière significative. On compte aujourd'hui au moins de 20 personnes disparues, dont la plupart sont touristes, personnes errantes. La police y privilégie la piste criminelle et soupçonne un lien entre les différents. Ouais, bon, c'est balèque. Mais genre quoi, meuf? Dans quel monde tu tiens un discours pareil et tu t'attends à ce qu'on trouve ça normal? Oui, dans un... Putain, j'avoue, mais Mia Fry, là, elle nous pète les couilles, en fait. Ah, faut que je trouve un aigle. Sky Hunter. Ok, faut que je mette un truc, là. Ouais, mais ici, je connais. Je connais ce truc. C'est ballot, mais il n'y a pas de munitions donc. Ah, bonjour madame. Petit roupillon. Nope. Bonne petite sieste. Mais ouais, je la soupçonne de pas être très nette quand même. Ouais, elle bouge, bah elle dort quoi. Toi aussi tu bouges quand tu dors, non? Même si t'es une taupe. Ah! Bonjour. C'est Marguerite?
si Frankenstein a bien des coutures sur le corps. On est où là? Serait-ce un havre de paix? Oh, pas vraiment. Mia, une cassette. Un livre que je n'ai pas envie de lire. Une poubelle. Yes. Je peux pas visiter encore un peu avant de regarder la cassette. Qu'est-ce qui se passe? Les coutures, Darky, les coutures. Après, c'est plus de son âge, hein, Frankenstein. Peut-être qu'il en sait plus que nous. Hein. Alors, Shig, il a dit le couteau. Je peux pas l'attaquer, Shig. Putain. Shig. Déception dans mon cœur. Pas de débat, s'il vous plaît, peine et panique. Alors, petit film. Mia, Ethan, please watch this. Ouais, je suis en train. Ethan, si tu trouves ceci, je sais que je ne peux rien attendre de toi. Pas après ce qui est arrivé, après ce que j'ai fait. Mais... je veux juste que tu saches que c'était pas moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. T'as retrouvé ta jugulaire, en tout cas. Il y a tellement de choses qu'il faut que tu saches. Ah, te voilà. Nous étions très inquiets, jeune fille. Ah, putain. Tu as laissé m'attraper à nouveau. On a perdu l'état. Elle doit être en train de trier ses photos, du coup. Bah, vas-y, ouvre. Eh oh oh, la porte! Ok, super. Ah. Par ici, maman. Nique ta mère. Je suis en train de lire le chat là, vous me fatiguez avec votre Frankenstein là, c'est. Passez à autre chose, les mecs. Pourquoi il y a des toiles partout? Vous connaissez pas la gueule de loup pour enlever les toiles d'araignée? Je suis vraiment lasse et fatiguée. Il faut que je me cache. Il faut que je me cache. Pourquoi est-ce que tu fais subir tout ça? Putain! Retourne dans ta chambre immédiatement! Vous avez échoué. Ok. Je suis vraiment là. Je peux me cacher là, genre? Il faut que je me cache. Il faut que je me cache. Ça, à part t'ouvrir ma maison et te nourrir. Hein? Non, c'est faux, je suis pas là. Je pense que dans un petit quart d'heure, je vais m'arrêter là parce que j'ai mon cœur qui est en train de flancher en fait. Sympathique de la jouer elle aussi, du coup j'aime bien avoir son point de vue. Sauvegarde automatique. Ah. Cette maison a de plus que tu imagines. Tu ne comprends pas ou simplement que tu t'en fiches. Un électrocardiogramme. Non, ça va aller, juste faut que j'arrête ce jeu. Un petit peu. Je sais que vous comprenez
passé quelque chose. Non, non, c'est mon cœur que t'entends, Larky. C'est le mien. Ah bah si t'es arrivé plus tôt, Chic, t'aurais eu des moments un peu priceless. Si tu, dans le chat, il y a des clips, là, je vais les récupérer. J'aurais peut-être dû bouger. Putain. Elle va me voir. Tiens, cadeau. Merci, Darky. Elle va me voir là derrière la porte ou pas? Non, non, avance pas plus. Je te jetterai en pâture à mes bébés et je fertiliserai le jardin avec les restes. Bon, tu comptes te barrer à un moment ou comment ça se passe? Nous t'ouvrons notre maison. Allez, dégage. Genre. Ouais, ouais, garde la pêche, zou. Et toi, que fais-tu? Moi, je supprimerai rien du tout, je garde moi. C'est bon, c'est barré? Ou elle m'a mis une feinte encore? Alors, spider, comme ça. Je pense qu'on est bien. Mille pour cent on se fait choper là-dedans. Allez, avance. Genre là, on va nous voir déjà. Bisous Chig, à plus, merci d'être passé. Elle t'aime, elle veut que nous soyons une famille, bon sang. Toi, toi, tout ce que tu dois faire, c'est accepter son satané don. Elle va me voir là ou pas? Nous t'aimons! Ouvre les yeux! Accepte-nous! Garde la pêche! Tu ne comprends rien! Et tu ne te rends même pas compte! J'aurais peut-être dû tu crois que la petite Evie me barrer. Tu lui as pardonné tes conneries, garce. Les garces, rien que ça. Bon, gauche ou droite? J'en ai assez de petits jeux avec toi. Tu m'entends? Bah, difficile de pas t'entendre. Hein. En vrai. Allez là. Pars-toi. Oh shit. Enfin, je suis en stress de fou. Ah! Chut! On dirait une pièce de mécanisme. Ok.
Putain. Où crois-tu aller comme ça? Coucou. Bon. Je crois que ça va être un bon moment pour s'arrêter là. Je pense que je vous ai assez régalé. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Mia? Pour aujourd'hui. J'ai pas changé le jeu en... Bref. Une sauvegarde s'impose. Ouais, mais... Là, pour sauvegarder... Je sais pas trop. Où est-ce que ça pourrait être? Parce que là, on va me sauter dessus, je sens. Chope un moment de frame invincible pour souffler, y'a que ça à faire. Ah oui, d'accord. Okay. Je viens de comprendre ce que tu dis. J'ai du mal, hein. Des munes. Y'a pas un peu de sauvegarde là, quelque part? Une pièce dans les toilettes. Ouais, j'ai un bon petit canif et j'ai un petit... Oh, j'ai un gun aussi! Yes! On va garder le canif, on va essayer d'économiser un peu les munes. Ah, je peux peut-être descendre là, non? Chite là. Ah, c'est là qu'il y a un point de sauvegarde. Nickel. Bon, les gens, eh ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à follow la chaîne et puis à aller visiter la chaîne YouTube sur laquelle toutes les VOD seront postées par sécurité. Merci à tous d'être passés. Et puis je vous dis à la prochaine. La prochaine sur lundi. Oh, ma Marielle, si tu viens pile au mauvais moment. Ouais, t'arrives à la fin. C'est toujours sympa d'être passé. Ah, je suis triste pour toi pour le coup, parce que on a passé un bon moment là. Ouais, j'ai fait un live un peu à la sauvage aujourd'hui parce que j'avais du temps libre, du coup. Bah, je te remercie quand même d'être passé, même à la fin. Allez, bonne fin de journée à tous. Et puis à lundi, sûr. Pas sûr que je restream d'ici là. Je vous dis à la prochaine, ciao!